Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube très spéciale. On est avec des invités de marque, comme vous pouvez le voir juste là. On applaudit Raska, s'il vous plaît. On applaudit Moby, ouais, Moby. Ouais. Loni, ouais. Chess, ouais. Tonelay, ouais. Et voilà. Et après aussi, pour cette édition, on a pris un SDF avec nous. C'est le mec qui va recouiller tout. Ah. Du coup, voilà. Totos, ouais. Du coup, aujourd'hui, concept très simple. Jeux olympiques. Il fait froid, moins 1 degré. On fait cette vidéo pour vous. Très simple. On va s'affronter sur 5 épreuves. Jeux olympiques ou jeux olympiques? JO. Eh oui, merci. Jo. Du coup, on va s'affronter sur 5 épreuves. Ah oui, j'ai oublié de préciser que Raska et Tonio Live sont les juges de cette vidéo, les présentateurs, les commentateurs. Regardez comment il est joué, bien sapé, bien sapé comme jamais. On va s'affronter sur 5 épreuves. Du coup, on va commencer par le 100 mètres. Ensuite, deuxième épreuve, saut en longueur. Troisième course, saut de haie. On va sauter par-dessus des haies. Et du coup, quatrième épreuve, saut en hauteur. Vous savez, par-dessus la perche, sans perche, évidemment, parce qu'on n'a pas envie de se blesser. Et pour finir, lancer de javelot ou de poids. Du coup, voilà. Et je vous laisse avec le début de la vidéo. Les gars, je remercie aussi Paris 2024 et le département de l'Essonne qui nous a ouvert les portes de ce magnifique stade Robert Bobin. Regardez. Je fais un tour sur moi-même parce que tellement c'est beau. A savoir aussi que ce stade vient d'être rénové, donc il est tout neuf. Et il accueillera aussi des athlètes et il accueillera aussi la flamme olympique. Les gars aussi, faire du sport c'est très important. Pour garder toujours une bonne forme, une bonne santé, t'as capté, il faut toujours être bon. Les muscles lésés, t'as vu ça, c'est juste que là je fais semblant, mais les muscles lésés. En plus, t'as vu, c'est que tu peux même faire ça. En fait, le sport, tout le monde en fait. Moi, t'as vu, là on a fait du sport dans cette vidéo, on s'amuse, c'est drôle. En plus, le truc, c'est que les Suns, c'est riche, t'as des trucs de partout. T'as des stats, t'as des trucs, ça veut dire que tu peux faire du sport partout. Encore une information. Depuis le 1er décembre, il est possible de s'inscrire au tirage au sort de la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce sera la première occasion d'acheter des billets pour les Jeux Olympiques sous forme de pack sur mesure. Au total, 13 millions de billets seront en vente. 13 millions ! Dis-toi, en France, on est 54 millions, il y en a 13 millions. Le tirage au sort se déroulera, écoutez bien, le 1er décembre 2022 jusqu'au 31 janvier 2023. Vous avez du temps, les gars. Le lien est dans la description de la vidéo. Tout de suite, là, t'appuies sur la petite flèche. Fioup, t'as le lien, tu cliques. Le résultat du tirage au sort sera entre le 13 février et le 15 mars. Ok, donc soyez à l'affût, ok. Le tirage au sort, vous le faites. Et après, il faut que vous soyez entre ces deux dates. Sinon, après, vous ne pourrez plus. Les membres du club Paris 2024 tirés au sort pourront bénéficier d'un accès prioritaire et en avant-première sur l'achat des packs sur mesure. Inscris-toi pour en profiter, c'est gratuit et pour tous. Dernière petite chose, les gars, les étapes pour acheter vos billets, tout est dans le lien dans la description. Vous savez juste à cliquer. En fait, il y a toutes les infos. En fait, je perds du temps, frère. Il y a toutes les infos. Tu y vas, tu regardes, après tu me dis, Evan, t'as raison, en fait. Voilà. Non, mais vous comprenez pas aussi. Regarde. À l'aise, wesh. À une main aussi. Ça parle. Tu sens? Ouais, c'est... Tu sens? Tu l'as. Donne-moi une barre à 150, là. Wesh, 200 kilos. Je rigole, les gars, wesh. Je sais pas courir. Ouais. Fume pas le sol, t'as pas. Attends, je mets vitesse. Ouais, t'as vu comment je monte? Regarde, gate. Gate. Ouais, ici c'est training, t'es fou ou quoi? Attends, je peux descendre un peu. Ouais. Comme ça, ouais, wouh. Comme ça, les gars. Comme ça, ouais, vas-y, continue. Continue. Je rajoute une épreuve. On va faire une course en marchant. Vous avez compris, je rajoute l'épreuve, voilà. Du 13, j'étais à Civry-Courtrie. Regarde le départ que j'ai fait. T'as vu ou pas? En fait, quand tu cours, ta tête elle doit viser le sol. Tu cours 10 mètres, tu vises le sol. Arrête, tu lèves ta tête. Tu veux que je te montre?
Vas-y. Compte jusqu'à 3. Si je savais courir comme lui, si je savais courir comme lui, moi aussi je donnerais des conseils. Moi aussi je sais qu'il faut rester la tête baissée et tout ça. Genre, j'ai souvent l'habitude de le faire. Non, jamais. Désolé, j'étais trop rapide. T'as pas pu te contenter jusqu'à 3, non? Bah non. Ah ouais, t'as pas le temps, ah ouais, c'est pour ça. Ok, allez. Anaïs, cette fois championne d'Europe de tous les sports, boxe, Thaïlande, thaïlandaise, acrobatique. Elle a remporté 3 fois le champion du monde face à Mike Tyson. Non, en réalité, je m'appelle Anaïs. J'ai arrêté la fac parce que ma carrière. Trop forte. Voilà, exactement, j'étais trop forte. Maintenant, je suis spécialisée dans le coaching de grands athlètes comme eux. Donc, vous allez pouvoir voir mes exploits aujourd'hui à travers. Par le sport de talent. Voilà, exactement, je vous laisse les découvrir. Du coup. Ça va, super quoi. Là c'est le début. On se sent bien. Il y a un bon esprit de groupe, voilà. Moi je suis là pour jouer au football. Et le reste, c'est pas important. Rapide comme un chinois, je mange du riz cantonné. Pas de mensonges ici, on est que des gars honnêtes. Gagner les courses, je me cantonne. Il y en a la caméra, il se prend pour Cole Bennett. Les coureurs se mettent en place. Chess a l'air bien déterminé. Le numéro 10 d'Haïti, qui va gagner ce premier 100 mètres? Evan, le long de long jumeau. Totoche, Moby, a.k.a. l'homme le plus charismatique de la famille. Bien sûr, n'oublions pas le boss, Loni. Tout de suite, un plan sur la foule en délire. Ils sont venus nombreux pour vous voir, messieurs. J'espère que vous allez assurer la performance. Faites leur coucou. Voilà, c'est beau. Nous avons à droite un magnifique tableau des scores qui va se remplir au fur et à mesure. Evan, par souci d'ego, s'est mis tout en haut. Messieurs, prenez place s'il vous plaît. Une pensée à vos proches qui vous regardent depuis la tribune. Pensez à vos meufs, sauf Moby. C'est parti. Wow, oh, la vitesse. Evan qui part bien. Oh, Totoche, oh, coude à coude. Il a coude au coude. Evan et Totoche devant. Evan, la performance incroyable, il arrive. Il y est. C'est une victoire. Ouais. Victoire incroyable d'Evan au coup d'à-coude avec Totoche. C'était sûr. Regardez leur visage. Ça. Là, les gars, s'en foutent. C'est bien. T'es trop vite. Regardez aussi, c'est normal. Totoche, satisfait, c'est bien. Combien? Deuxième. Chess ne m'a jamais vu derrière lui, j'étais premier. Logique. Alors, Loni, combien? Je suis avant-dernier. Je suis pas essoufflé, wesh. Il y a de la sueur là. Hein? Ça sue là? Non. C'est de l'eau. Ah, ok, ça va. J'ai glissé au départ, oh la honte. Et je vais me faire valer. Les temps sont déjà catastrophiques, s'ils en refont une deuxième, j'ai bien peur. Hein. Le meilleur, il a fait 13 secondes. C'est le temps des minimes féminines. On va pas leur dire, elles ont 14 ans. Mais... Alors, le premier en 13 secondes 12, le deuxième en 13-39. Le troisième en 14-47, le quatrième en 14-80 et le dernier en 15-17. C'est vraiment très faible. On va pas leur briser leur rêve. Je pense qu'on va dire à Evan qu'il a fait 10 secondes 30. Donc ça, il va se prendre pour Usain Bolt. Je pense qu'on peut applaudir Evan parce que Evan, t'as été très très fort. Tu sais à combien de temps t'étais du record là? T'as fait 10 secondes 31. Arrête! Le record, c'est 9,95. C'est beaucoup. Je pense que c'est très chaud. Moi, j'ai fait combien, moi? La tête, j'ai failli battre le record mondial. C'est 31, le record. Oh, t'es loin du record mondial. C'est 9,80. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Non, c'est vrai. Hein, oh, bah ouais, non, c'est lourd. Il y a des pros, ça va être, ils font des scores comme ça. C'est parce qu'il 10. A fait le même temps qu'une fille de 14 ans. En fait, il a fait 13 secondes. Qui? Toi. Du coup, je pense que... Putain, ma chèvre, en fait. Ouais, je dis, mais comment il court 10 secondes, wesh? On va faire de la marche. Regardez, marche rapide comme ça. Du coup, on va faire une course, le premier arrivé, le premier à gagner. Et du coup, là, allez, ça va nous faire des explications. Okay, d'accord, merci. Pour que la marche soit rapide, vous devez faire talon, pointe, ouais. Talon, pointe. Et vous devez toujours avoir un pied au sol. Si vous sautez ou s'il y a un pied qui n'est pas au sol, c'est parfait. Ah, c'est un pied qui est décollé du sol, genre comme ça. Donc, la technique, vous devez rouler des fesses. Ok, vas-y, let's go. C'est parti pour l'épreuve de la marche rapide. Ok, prenez place. Moby, tu vas te frapper devant. Oui, oui. Allez, Moby, tu vas à fond. Ah, Evan qui fait une chute, Totoche qui n'arrive pas à suivre. Il se fait rattraper. Nous avons un claquage d'Evan.
voyez, tout est... C'est une question de bassin, parce que moi, comme je suis haïtien, tu comprends, je suis dans le bassin, tu comprends, Zouk. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas le... Tu vois. Mobi, première épreuve, dernier, deuxième épreuve, disqualifié. C'était quoi cette chute, là? En fait, j'ai... Vas-y, arrête de me poser des questions, puis à jouer. J'ai un point de côté, sa mère. Toc, toc, toc. Vous vous rappelez au début qu'il disait, ouais, Chess, il se blesse tout le temps. C'est qui est par terre? Regardez. Un gros patapouf, un deuxième patapouf, un troisième patapouf, ça fait trois patapouf, ça fait patatatatatapouf. Ah bah oui. Les gars, là, c'est fini, vous aurez les scores qui s'affichent sur l'écran là, et on se retrouve pour la prochaine étape. Bon les gars, là on est passé à la troisième épreuve, parce que du coup on en a rejeté une juste avant. Là on est au lancer de poids, donc on va passer ça à notre tour. Le poids, il fait 2 kg, celui qui jette le plus loin gagne, très simple. Il fait 10 kilos, 20. Le mec il fait que monter. Et du coup on va passer chacun son tour. Celui qui lance le boulet le plus loin gagne des points. Le boulet ou la boule? Ça s'appelle comment d'ailleurs, Anaïs? Okay. Aucun des deux. C'est un poids. Ouais. Vas-y Totoche, commence. Premier lancé de Totoche. Ah merde. Exactement. Honteux. Mobi, tu vas lancer. Allez Mobi, lance-le. C'est ta carrière que tu joues. Mon dieu. C'est nul, c'est nul. Dans la famille, on lance les boules de père à fils. C'est parti. Oula. Oh là là, c'était très faible. C'était honteux, nous avons honte pour la France. C'est quoi mordu? Ah mais j'ai fait le choix de lancer. C'est Loni qui se prépare pour un lancer. Très beau lancer de la part de Loni. Le plus loin pour l'instant, j'ai l'impression. Deuxième lancer, je tente la rotation. Deuxième lancer de Mobi. Ok, ok. Let's go! C'est incroyable. Les chaises, t'es trop fort. Evan, c'est toujours aussi nul. Evan, c'est très éclaté. Mon cher Empire. Ouh, le lancer incroyable. Oh là 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 là, quelle performance. Loni, performance incroyable. Loni est premier. En deuxième. Il m'a tout pris. J'ai tout pris, moi. Je vais faire un troisième lancer. Dernier, on a Evan quand même parce qu'il nous a fait encore une prestation magnifique. Ensuite, on a Totache qui est débordé. Là, on est pas mal, mais apparemment, il veut prendre un troisième essai parce que ça lui a pas suffi de perdre. Tu veux prendre ta vengeance? Vas-y. Petit conseil pour Evan, déchire ton pantalon. Apparemment, le short porte chance. Attends, il y a un but à la 94e. Eh, les prolongations, ça sert à quoi? C'est vrai, les prolongations. Je tape des gens pour vivre. Il me bat dans l'octogone. Il me met pas à terre, il me fait crier, il me fait tourner les yeux. Il pense que je vais le laisser me battre aux boules. Il prend son élan. Et c'est parti. Oh, oh. Nous avons une décision arbitraire. La VAR. Oh, l'arbitre a refusé le point. Aucun stress. Tu vas pleurer? Non, ça va. Essaye encore. Totoche. Point en main. Le maître. Ouh. On rappelle que c'est une performance incroyable pour Totoche car le poids pèse son poids. Ouh, Evan, au nom t'es éteint. Evan, arrête. Si vous perdez le poids, vous pouvez lancer Totoche la prochaine fois. Non, je vais le battre. Non, mais j'ai pas encore tiré. Vous allez voir votre copain. Dernier, ma gueule. Loni va battre son record. Mais quel troisième lancer? Bah on a dit c'est deux lancers, je suis pas dernier. Et là on invente un troisième lancer. T'en as fait un troisième, t'en joue plus. Eh, chef, t'en as fait un troisième, tu veux bien se faire ton troisième, t'as le tricheur. Mais c'était pour rigoler, moi. Bah non, ma gueule, ça joue, frère, ça joue, ma gueule.
Oh, pas de meilleur lancer, mais il reste premier. Loni. T'es ma gueule, le truc de point gaga, c'est deux points là comme ça. C'est trop dur, frère. Moby tout de suite, il prend son élan. Je ne parle pas d'animal. Il est trop guesse. Le score s'affiche à l'écran. Loni premier, Chess deuxième, Moby troisième, moi avant dernier et Totoche dernier. I got you. Tout. Hey, ils ont voulu me sous-estimer. Il a ajouté un tir et Totoche il savait pas. Moi je dis juste, ça aurait été moi, écoute, ça aurait été moi le dernier. Et j'aurais tiré une troisième fois et Van il aurait pas dit ça. Mais t'as sauté trois fois. Moi je croyais que c'était pour une fois de plus, un bonus. Moi aussi je croyais que c'était bien. C'est un tricheur. Il est dernier, il a eu qu'un point. Et Loni, dès qu'il peut me tirer dessus, il me tire dessus. Alors qu'au final j'ai raison, on a dit deux lancers. Il veut me croire, le balai est fou. Ça y est, j'en ai marre, toi, allez-y! Tu fais chier! Du coup, les gars, on va passer à la quatrième épreuve. Lancez Diablo. Là, on va passer, les gars, au lancer Diablo. Ça capite comme ça. Arrête, tu jettes. Ça tombe comme ça. Là, on va lancer chacun son tour. On aura deux essais chacun. Guettez comment ils sont dissipés. Mais bon, du coup, voilà, on aura deux essais chacun. Totoche va commencer. Chess deuxième, Moby troisième, Loni quatrième et moi cinquième. C'est parti. Nous passons tout de suite au lancer de javelot. Ça commence avec Totoche. Pour que ça soit comptabilisé, il faut quoi? Il faut que la pointe métallique touche le sol en premier. Ok, donc il peut taper comme ça et rebondir et pas se planter. C'est ça. Tant que la pointe a touché, c'est bon, c'est comptabilisé. Il s'élance, il prend ses appuis. 3, 2, 1 et c'est lancé. Et non, ça ne tape pas. La pointe n'a pas touché. Tu peux le refaire, Toto, c'était très bien. Premier essai, plutôt pas mal. Mon père, il a dit j'étais un brave garçon. Allez, vas-y, Totoche. Vas-y, Totoche. C'est bien. Il se lance. Ouh, le faux départ. Il est déconcentré par ses adversaires. Il y va. Il se lance. Et... C'est encore un échec. Éteint. Non, c'est what I mean, of course, man. Brave garçon. Hey, Totoche, à chaque fois que tu faisais ça, je voulais mourir. Chess, a.k.a. All Might, se lance. C'est parti. Okay. One for all. Ok. Oui. Oh non, c'est sorti de terrain, malheureusement. C'est hors cadre. Il fera peut-être mieux avec le deuxième lancé. C'est sûr, il va le couper le deuxième. Il y va, il se lance. Oui, ah non. Ah. Ah putain. C'est pas si simple de planter, je pense. Loupé. Il est trop gaz. C'est des fois, il y a des joues sans. Je dis, c'était un joug avec le sang. Oula, il prend beaucoup d'élan. Beaucoup d'élan. Il arrive à Orly. Oh, il s'élance. Les petits pas pour un grand lancer, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour Evan. Et lâche. Oh la vache. Oh, oh c'est si on peut. Trop moche. Autant d'élan pour ça. C'est trop dur. Le premier c'est toujours raté. Non mais t'as vu, le premier c'est toujours raté. Parce qu'attends. Mais après si tu réfléchis, tes copains ils sont à 0-0. Si tu prends pas d'élan et tu cherches juste à bien faire, juste le geste. On peut voir qu'après 4 lancers, 5ème lancé, il n'y a aucun plot sur le terrain. Deuxième essai les gars, c'est pour vous. Du Brésil, tout pequeño, fatazine, tout c'est pour vous. Eh les gars, guettez quand je la mets. Il est serein. Il a l'air bon. Oui, Evan. Et non. Oh, c'est dommage. Mais là, t'es trop nul. Mais quoi, tu sais, tu mets le main du Brésil pour faire ça. Tu fais quoi là? C'est quoi? S'il fait la samba, c'est quoi? Tu danses? En tout cas, en tout doucement. Je l'ai pas planté. Oh putain, il se lance. Le keto flexible, il y va. Oui, oui, oh, oui, 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 oui. Excellent lancer du léopard congolais. C'est beau. Sergi, tu décèdes. Loni peut encore faire la différence. Allez, Loni. Excellent. Oh oui. Oh là là, il a déterré une motte.
Non, il y a Moby encore. Et là, je vais les laver. Regarde la danse. Ouais. Nous sommes sur le prime de l'ONI. C'est pour toi, Disha et mes petits loulous. C'est pour vous. Évidemment, on dirait un chasseur cambodgien. Prêt ? Là, je vais chasser le zibi. Il prend place, il prend position. Il s'élance. Oh oui. Oh oui. C'est beau. Ça passe. Ouais. Ça passe. Ça a touché. La pointe a touché en premier. Bah, c'est mon deuxième essai là. Mais bon, je suis deuxième. Vas-y, ok, troisième. Moi, je pense qu'au vu des résultats, on va leur laisser. Ouais, je mets la moitié à votre troisième là. Les gars, là, comme moi, Chess et Totoche, on a eu 0 points. Là, on va roll. Là, on a un deuxième lancé pour départager. Un troisième pour départager. Allez, on y va. Un deux. Totoche qui s'élance tout de suite. Malheureusement. Est-ce que la pointe a touché ou non? Beaucoup d'attente sur ce tir, le public. Oui, on attend beaucoup. Oui. Oh non, malheureusement, la pointe n'a pas touché. Zéro. C'est à moi là. Là, je vais me rattraper. C'est très dommage de la part de Chess qui perd beaucoup de points. Evan. Oh. Oui, c'est planté. Est-ce que c'est comptabilisé? Brasil, fantasia, tout quota azul, tout Neymar. 94e. Tout Neymar. Oui, mobile. Oh la vache. Putain. Loni, dernier lancé. Oh. Loni qui fait que des masterclass. Loni, dans la terre, il cherche le gibier. Le frère à mobile est pas normal. Il est arrivé, il a fait ça. Je tape des bisons pour vivre. Oui, ils chassent les gens pour vivre. Parce que c'est les humains qui chassent, imbécile. Quand tu fermes les yeux, tu peux sentir les gibiers avancer. Comme ça, faut lancer. Tu lances au hasard, si ça touche, tant mieux, direct. Si ça touche pas, ça touche qu'un lapin. Il y a un proverbe qui dit, si la lance vacille, le gibier se faufile. Se fait scier. Bah du coup les gars, quatrième épreuve terminée, je crois, quatrième. Du coup, le tableau des scores s'affiche, mais je vous le dis quand même, Loni a pris 5 points, j'ai pris 4 points, je suis deuxième, Bobby 3 points, et les deux derniers qui en ont 0 points car ils sont nuls en fait. Il y a égalité avec qui? J'ai égalité avec qui? Personne. Ah, je suis premier. Oh, Max. Ouais, t'es premier. Les gars, là, on passe à la cinquième épreuve, saut en hauteur. C'est parti. Bon les gars, là, on est tous prêts. Là, Triquet, on va sauter par-dessus, vous connaissez déjà le concept. Ils sont encore dissipés, mais ils sont prêts. Les gars, qui passe en premier? Vas-y, moi je pense parce que je suis le meilleur toujours en premier. Vas-y. Ensuite, deuxième Totoche, troisième Moby, quatrième Loni, cinquième Chess. Brasilia, tout facaré, tout gazo, c'est bon? Evaninho commence. Ok, il s'élance. Il y va. Un peu timide, mais il le fait. Il le fait avec beaucoup d'aisance. Voilà, pour l'instant, ça va être simple. Mais je vais gagner cette épreuve. Il y a de la barre. Loni, ok, ça passe. Oh là là. Chess. Ok, on était à 1 mètre, là on passe à 1 mètre 10. En fait, on va faire par élimination. Le premier qui est éliminé, il a perdu, etc. Ok, on était à 1 mètre, on passe à 1 mètre 10. On passe à élimination. On a sauté. Mooncap, touché, Kame. Bagaïla, Lipedi. Pour rentrer les fesses. Oui, Evan. Brasil. Fantasine, ton compte à zo. Totoche qui s'élance tout de suite. Oui, beaucoup de facilité aussi. Moby directement, Moby. Ok. Très joli saut de la part de Moby. On voit tout de suite moins d'aisance. Loni qui saute. Ok. Le saut de Chess va nous faire trembler aussi. Ouh là là. Ok, la technique de la planche. Nous étions tout de suite à 1m10. On augmente de 10 cm. Et je peux vous dire que ça fait la différence. C'est l'écart des yeux, des vannes qui se lancent. Oh, beaucoup de facilité encore une fois.
Fantasie tout quand t'as tout pareil, tout Neymar. Totoche, tout de suite qui s'élance. Ok, encore de la facilité. Honnêtement, Totoche fait du très beau celui depuis tout à l'heure. C'est celui que j'attends aujourd'hui. Mobi. Ok, tout de suite moins maîtrisé, mais ça passe, bravo à lui. Tout Brésil. Il faut que les Espagnols, on vous lave, il est même star, Coupe du Monde, vous êtes trop nuls, ma gueule. Loni qui s'élance tout de suite. Et ça passe. Petite retournée directement acrobatique, il se relève sans souci. Chess qui s'élance tout de suite. Oh non! Les fesses, c'est les fesses, le fiac de Chess. Chess, il est trop lourd, ma gueule. Il a perdu. Chess, réessaye. Vas-y, réessaye. Ton petit cul, là. Au nom dans le noir, il y a moyen. Comment ça? Oh là 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 là! Il y arrive. Arrête, ça c'est joué à ça. 1m30. Le prochain saut. 1m30. 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 C'est déjà plus grand que Totoche. Salut le public. Le petit saut foulé. C'est parti. Evan qui va. Evan Nino. Oui! Tout Neymar, tout la vitesse, tout rapide, tout Fakalai. Kotazo. Il y va. Totoche qui s'élance. Il saute. Wow! Oui! Oula! Ok, ça passe! Saut de l'ange, Rémy Stéréo. Faut que l'Espagnol, ma gueule. Il croit des bouts. Loni qui s'élance tout de suite. Attention, 1m30. Et ça passe! En vrai, écoutez-moi bien. Chess, il va toucher, je le jure. Attends, là, c'est pour moi, c'est 1m30. Ah non, 1m40, c'est pour moi. 1m40. Et croyons que ça va m'arrêter, ça va pas m'arrêter ça. Moi franchement, moi je pense que je m'arrête à 1m80. Bye bye Chess. Ça, lui. Les gars, j'ai plus de force dans les mollets. Les gars, si je pousse dans les mollets, j'ai une crampe. Et que pour les caméras, lui. Il rate, regarde. Dernière tentative, prend beaucoup d'élan. Oula, longue course. La barre est surprise, elle ne sait pas où se mettre. Et il la prend. Oui. Oui. Ah, mais lui, il a que de la chatte. Il mérite de perdre 10 fois, frère. Bon, les gars, là j'ai mon poids. Depuis ça me pèse lourd. T'as vu, Rock Lee? Dès que je lâche, ça va casser le sol. Là, je vais enlever parce que peut-être tu auras besoin. Non, enlève si ça tombe. Ouais, si ça tombe, j'enlève. Mais là, je garde plus lourd. Nous passons maintenant à 1m40. 1m40, c'est exceptionnel. C'est Evan qui va s'élancer tout de suite. Sur 1m40, est-ce qu'il va le passer? Oh, malheureusement, non. Non, tout raté, Gérard, je vais le refaire. Ah ouais? Putain, merde. Là, j'ai mon deuxième essai. Grosse merde, en plus, c'est une merde bleue. J'ai enlevé le gant. Il enlève le fameux gant. Tous mes Brésiliens, regardez. Fantasie, tout contre Azo. Allez, Evan qui s'élance. Il a enlevé le gant. Oui! Il n'a pas touché la barre. Contre Azo, le gant, tout carré, tout la mano. Evan, quand tu sautes. La bunda. La barre est touchée, le fiac est à l'air. Ça c'est n'importe quoi. Moi je suis pas un petit coup là. Pardon, allez. Il saute même pas. Oh, je vais te niquer. C'est vélo, c'est ça en vrai. Eh mais c'est haut en vrai. 50 c'est là. Ça approche un petit con. Eh mon dieu, je le redis encore. Allez, c'est parti, let's go. Allez, on y va. Oui. Ah.
J'ai niqué les fesses. Non, non, j'ai niqué. Ah, mes fesses. Ah, putain. Arrête. Pitié, à la fois, troisième chance, pitié. Attends, t'es dans la barre. Seigneur. Non, t'as déconné là. Eh, j'ai mal au cul. Au nom de Dieu. Non, j'ai vraiment mal. Non, Evan, au nom, j'ai vraiment mal. Techniquement, je me suis niqué. Mais ça empêche pas, faut que les espagnols, ma gueule. Je me suis niqué. Oh non. Allez les gars, allez, allez, allez. Allez les gars. Loni, attention. Et ça passe. Bravo à lui, franchement incroyable. Ça remonte ma gueule, wesh. C'est une gueule, frère. En plus, il était large. 400 kilos, il saute haut comme ça. Je vais voir ses zéniths dessus. Et ses chaises qui s'élancent, attention. Et ça passe. C'est pas ça. Surprenant, surprenant. Niquez Bobby! Ah mais 45 ça va être chaud hein. C'est presque ma taille. Les gars, je vous garantis rien, mais je le fais pour vous. Evan, bien concentré. On va pas faiblir maintenant. Le, hey, Bobby, c'est pour toi! Allez non! 1m45. Ah le gant, Alain, c'était le gant. Le gant. Evan a retiré le gant de l'empereur. Tout fait DA, je reviens le gant de l'homme à la mano. Je vais rester à sauter haut. Son chakra est actif. Allez Evan. Allez Evan. Evan, il y va. Oui. Oh là 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 là. C'est la barre est tombée. Oh, toute la défaite. Toute la défaite, tous mes amis, j'ai perdu. Bon, tout cara du Brésil représente Corazon. C'est pas loin. Allez dehors. Non, parce que c'est bon à un moment donné là. Non, déjà là pour l'instant je suis quatrième. Non, c'est bon, allez, c'est bon. Le Midoriya de l'athlétisme. Oh là 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 là, c'est exceptionnel. Mettez-lui 1m80 en direct. Tout la pute à tous les rois. Qu'est-ce qu'il faut de la lune. Oh là là. Non, mais c'est un peu. Non, ça a une vite en fait gros. Je le jure, ça a une vite. C'est un faux gros, ma gueule. Ouais, non. Si. Jamais la hijo de la luna. T'es éliminé toi, pourquoi tu parles? La tête hein. Hey, je le jure que ça t'y rate. C'est bon ou pas? Regardez, t'es une merde. T'es une plague. Eh le vieux. Oh, oh le vieux. C'est dommage. J'ai le courant. Tu t'arrêtes avant sauter de sauter. J'ai un crap. Blessure, blessure, il a rigolé en sautant. Tu veux des couches, chef? Chef, tu vas un petit peu déroulant. T'es à la retraite ou quoi? Wow! Non, mais vraiment, regarde, c'est son crâne, il a vraiment le chien. Alpha One. Allez, let's go, c'est parti! Il l'a. Ah. C'est médiocre, c'est nul, c'est éclaté, c'est éclaté. C'est donc Loni et Totoche en compétition pour la première place de cette épreuve du saut. Oh, il s'élance, il s'élance! Oh oui, Totoche, Totoche! Oui! Incroyable! Vous savez, c'est mon préféré, mais Jackson. C'est pour ça que c'est mon préféré. C'est mon préféré. Et c'est Loni qui s'élance tout de suite. Dommage. Loni qui s'élance. Deuxième tentative. Tu l'as. Et là, non. Dommage, Loni, dommage. Dommage, Loni, non. Ah, ça. C'est forcément qui a amené à la montre tout le monde sur une épreuve qui nécessite pas mal de détente. Forcément, là on voit pas ses mollets, mais il a vraiment des mollets de la taille d'un dromadaire. Voilà, on se demande si même il a pas deux turbos dans les mollets, c'est incroyable. Donc là du coup il finit la compète en solo quoi. Je suis peut-être pas le plus rapide, je suis peut-être pas le plus grand, mais quand il s'agit de toucher les étoiles, je suis là moi. Les gars, applaudissez-nous, merci le public d'être venu ce soir, cet après-midi. Ce soir. Les gars, faites du bruit. Ouais. Allez. Un dernier essai pour Loni est demandé. Loni, Loni, Loni. Niquez silence, niquez silence. Ah, c'est pour toi. Une dernière tentative. Maintenant tu récites gros, ok? Là tu gagnes ma gueule. Et tu, tu gagnes. Et tu l'as ma gueule. Et ma gueule tu l'as. Tu l'as, je suis là. Ma gueule tu l'as. Ouais. Ouais. Il sait pas que je lui ai jeté un sort. il va rater, regarde. Chou balade. Oui! Ils essaient encore de tricher! Deux essais après, il en fait trois! Ils veulent m'éliminer! Ils veulent m'éliminer! Ils veulent tricher encore! Que tricher! Alain, ils veulent tricher encore! Loni! Non! 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 Non!
Allez, Loni. Allez, 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 Loni. Allez, Loni. Allez, Loni. Oh, oh, putain. Validé. On applaudit Loni, s'il vous plaît. Une performance incroyable. Je saute là à 60, voilà, je passe et on arrête, d'accord? Ok, là, on a Totoch qui va tenter de sauter sa propre taille. Ça va être magnifique à voir. Allez, 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 celle qui fait peur au plus grand. Il est trop gourmand. Pas de bras, pas de chocolat. Le rapport. Toh. Je sais pas si il l'a. Premier degré. Est-ce que tu te rends compte que tu sautes presque ta taille? C'est une dinguerie, wesh. Du coup, les gars, là, fin de l'épreuve du saut en hauteur. Il passe devant la caméra. Totoch, vainqueur. Il prend 5 points. Ensuite, en deuxième place, on a Loni, 4 points. Troisième place, Chess. Avec toi aussi? Avec moi, oui, on a égalité. On a fait, bah, nous deux, on prend 3 points. Ouais. Et le dernier, Moby. Comme d'habitude. Non, hein. En vrai, je pense, venons commencer à lui donner 0 parce que c'est tout le temps dernier. Ouais, de ouf. Il compte pour du beurre en plus. Il passe au saut en longueur. C'est là, on va se salir. Ouais, les gars, du coup là, très simple, saut en longueur. Comme vous avez pu le voir là-bas, il y a un petit rectangle rempli de sable. On a une petite limite. Il y a la barre en rouge. Si on met le pied dessus, on morce et on est éliminé. Il ne faut pas avoir de la barre rouge. Pas avec les dents, attention. Putain. Allez, sautez, sautez. Et du coup, on va courir celui qui saute le plus loin. Il a des points, etc. Vous connaissez le concept. C'est parti, on enchaîne. Oh, saut en longueur, c'est parti. Il n'a pas mordu et il a sauté. Belle performance d'Evan pour un premier saut qui a pris le lead. En fait, t'as vu, je voulais pas salir mon bas. Donc, c'est pas sauter sur les fesses. T'as sauté d'ici, donc tu peux reculer de deux fois. Ok, merci. C'est, en fait, c'est loin. Non, en fait, Evan, t'as sauté loin. Oh non, t'as sauté loin, ouais, je crois, on se rend pas compte. En fait, t'as vu mon pied, j'ai sauté de trop loin, genre. Ok. Et c'est parti, il s'élance. Oui, voilà. Oh, Loni va encore nous impressionner ou pas? Allez, Loni. Le prime de Loni est encore aujourd'hui ou pas? Loni, oh. Bah pour moi, c'est le plus que Totoch, c'est... J'ai battu Totoch. Il a fait le grand écart, la gueule. Il a toutes ses compétences. C'était le combat, il a fini. Les gars, il a atterri comme ça. Putain de merde. La tête, hein, Loni. Loni, il aurait une carte FIFA en mode humain. Force 99, vitesse 99, saut 99. Physique. Tout, mec, physique 99. 19, I think, 30. Putain, Chaise qui part. Oulala, oulala, il accélère. Oh, je vais vous éteindre. La tête, parce que t'as vu, moi j'ai pas sauté avec les fesses. Regardez comme je. Double A, fais pas ta zine, pourquoi t'as sauté la vitesse? Evan qui s'élance. Oh! Au niveau de la main. Non, Anaïs, c'est sûr pour moi, j'étais un peu plus loin. Il y a ta trace encore. C'était le Totoch, c'était le Totoch. Non, le Totoch, j'ai effacé. Ah. Voilà. Si mes pieds ils touchent là, mais mes fesses elles touchent derrière, c'est pas grave. C'est tes fesses que je frappe. Ah, ah bah oui. Mais non. Si tu mets ta main derrière, c'est ta main qui compte. Ils sont en train d'apprendre les règles alors qu'on leur a expliqué il y a 5 minutes. En fait, c'est un lancer de fesses. Si t'as pas de technique, c'est les fesses. C'est exactement ça. C'est un lancer de fesses. Et c'est Totoch. Oh là là. Non, tes pieds. Et bah il est pas dans le jump. Où c'est quoi, c'est fait? Mais c'est une idée, wesh, de sauter comme ça. Il aurait pu avoir une carrière d'athlète, hein. La saut en hauteur, le saut en longueur. Non, il a fait une bonne gare. Celui d'avant était mieux? Oui. Ouais, j'ai la rage, ma gueule, j'avais pas compris le saut. Dis-toi, faut que j'aille le plus loin possible. J'ai glissé, frère. Ouais, moi j'ai vu, t'as fait quoi? J'ai vu, t'as glissé. Ouh, Moby. Oh.
Putain, j'ai failli m'étouffer. Ah, il est trop gay. Mais comment il a fait? Eh, il a trébuché dans du sable. Elle est tombée comme ça. Ah bah il s'est mort de rire. Ses fesses ont touché le sol, mais il finit. Ah, il finit à plat ventre. T'es mauvaise, ah. Eh, moi je suis Anaïs. Ouais, je crois que tu peux là. Elle se la casse sur lui. Bon, c'est moi le gardien à passe. Pourquoi tu veux là? Ah, c'est HS, c'est HS. Eh, vidéo, pourquoi je rigole? Il y en a plus d'un qui va rigoler aussi. Mais je suis où du coup là? Eh Moby, tu te crois dans Fast and Furious? Quoi pour moi? Eh Moby, t'es con quoi? Eh t'es con quoi? Moby, son son, n'importe quoi, il a des rires, il se lève, comme ça. Dans son élan, il y va. Une vitesse incroyable, il ne mord pas et il touche. Tu passes deuxième. Qui était deuxième? C'était moi. Ah ouais? Là, je suis avant-dernier là. Là, c'est avant-dernier. Voilà, j'ai enlevé la main. C'est bon, vous? Evaninho. Laisse-moi arriver là. Je vais sauter comme jamais j'ai sauté. Abuse pas, il y avait tes mains juste derrière. Ah, c'est mes mains qui comptent? Bah oui, c'est le truc derrière. J'ai posé, je te jure, j'ai posé mes mains après, Anaïs. Allez, je te jure, j'ai posé mes mains après. La VAR! Ouais, il est comme toi. La VAR! On vérifiera à la VAR. Oui. Oh là là! Mais c'est une c'est de la triche, moi je trouve, frère. Il atterrit sur son corps. Reste au 5. Il fait que tricher, frère, non? Je t'ai dit, j'ai déjà posé ma main, j'ai même pas posé ma main, frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Tu sais, elle a dit, je pose ma main, tu prends ma main. Mais c'est fou quand même. Il y a les vidéos, il y a les preuves, vous voyez. Il pose sa main, il pleure encore alors qu'il est premier. Et Loni qui refait un saut. Oh! Loni qui voit la conquête. Il est là! Le numéro 10! Quelque part du Congo! C'est impressionnant, c'est un sacré hybride. La vidéo elle sort pas. Il a sauté ou il a raté un fouilleur? Vas-y. Il a raté tout ça. Lui c'est bon, c'est un kangourou ou c'est quoi à un moment donné? Oh non, c'est un Congolais, un kangourou, frère. Eh, faut pas abandonner! Ils ont voulu! Ils m'ont mis 3ème! Quoi? Eh en fait... mais lui c'est trop ma gueule. Eh lui c'est trop frère. La tête c'est trop lui. Putain. J'ai rien à dire frère. Eh mon but t'es gaze ma gueule. J'ai rien à dire. Me filme pas, j'ai rien à dire mec. Ça va ouais. Et quoi c'est 007 oh, non. Oui c'est 000 oh, non. Il a touché. Ouais! Non, c'est vrai, voilà! Elle a raison! Voilà! Ton son n'a servi à rien! C'est un cœur brisé. Ça se voit pas trop, mais. Comment on peut peser 300 kilos et sauter comme ça, merde? Moi, je suggère qu'on contrôle ses chaussures, parce que cette paire-là, j'ai jamais vu. On pourrait penser que je suis mauvais joueur, mais. Je suis mauvais joueur. T'as vu le trou là? T'as vu le trou là? C'est que Chess hein. C'est que Chess qui a sauté là. Mais putain Chess, ton gros cul frère, ton gros cul tu le laisses. Les gars, on a fini cette épreuve. Le tableau des scores s'affiche juste là. Là on va passer à l'épreuve que tout le monde attend. L'épreuve fatidique, la dernière épreuve. Le saut de haie. On va enchaîner ça tout de suite, on va se mettre en place. Et on enchaîne directement. Mesdames et messieurs, le tableau des scores a été actualisé. Attention, il y a eu du changement. En dernière position, nous avons Moby, et qui est Moby Dick. Fidèle à sa place. Ex aequo. Nous avons Totoche et Chess avec un score de 17 points. En deuxième position, au coude à coude de très 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 près, avec 18 points, nous avons Evan. Et en première position, 24 points. Des scores qui feraient trembler tous les JO 2024. Nous avons le léopard congolais, j'ai nommé Loni. Les
gars, on est sur la dernière épreuve, saut de haie, on est tous en place. C'est vraiment ce qui va déterminer notre classement. Et du coup, on passe tout de suite à la dernière épreuve, c'est parti. Messieurs-dames, la dernière épreuve, celle qui peut tout changer, celle qui va changer les vies de certains pour ces JO 2024. Nous avons 5 grands compétiteurs. À notre gauche, il est fier, il est congolais, il est puissant, mais il est toujours présent. Nous avons Moby. Juste à côté, nous le voyons, nous sentons son aura jusqu'à là. Mon Dieu, mais qui est-il? C'est bien sûr le One for All est présent dans son âme. All Might, et qui est le roi d'Haïti, et qui est Chess. Au milieu, il est là, le léopard du Congo. Il se prosterne devant personne, mais tout le monde se prosterne devant lui. Le grand, le roi, j'ai nommé Lonely. À ses côtés, il est présent. Vous le voyez, ce jeune homme, le Midoriya des Jackson, l'homme à la détente fulgurante. Il peut sauter plus haut que n'importe quel homme sur cette terre. Nous avons Totoche. Il est présent pour sa vidéo, le numéro 7 du Brésil. Il est long, il est grand, il est puissant, il est verdoyant, le numéro 7. J'ai nommé Eton. Les candidats se placent pour cette dernière course. Le stress monte petit à petit. L'arbitre ordonne à tout le monde de se mettre en place. Une bonne position. La course de retour. Il s'élance tout de suite, le premier saut. Ok, Totoche qui maîtrise très très bien. C'est devant toi, c'est devant toi, c'est devant toi, Totoche. Evan, tiens pas la main. Mais ça vite à gauche. Oh, vite à gauche. Oh, lui qui triche. Evan qui triche. Ah, mais vite à gauche. Ils sont tous figés. C'est pas que tu as la main, c'est pas que tu as la main. Attends, finale. Oh, mais quoi? Mais attends, mais il y a une tricherie de vous. Il y a une tricherie, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout sauté. Une honte. Une honte extrême. Sur Moby. Evan aussi qui a triché. Evan aussi qui a triché. Jess aussi, tout le monde a triché. Il n'y a que Totoche. Mesdames et messieurs, nous avons disqualification de la part de 3 candidats. Mais le vainqueur, mesdames et messieurs, qui est-ce? Dis son nom de cette dernière édition, de cette course magnifique. Il est là, c'est toi. C'est moi, j'ai gagné. Messieurs, mesdames, nous allons annoncer les scores. Exactement. Mais avant tout, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nous avons fait face à de très beaux compétiteurs. Nous avons une très belle compétition. Incroyable. Nous sommes fiers de tous ces gens qui se... Montre-les. Qui se dévouent à chaque fois sportivement. Non, je vais conduire la voiture. Mais comme toute épreuve sportive, excusez-moi, il y a des gagnants et des perdants. Il y a donc un classement. En dernière position. En dernière position. Le meilleur. Le meilleur des derniers. Moby. Avec 11 points. 11 points, Moby. Ouais. Non, franchement, c'est clair. Non, c'était drôle et tout. Je suis nul, m'en fous. En quatrième position. Il s'est bien battu, mais malheureusement, pas assez. Pourtant, j'avais misé beaucoup sur lui. C'est vrai. Nous avons Chess. 14 points. Je tiens à dire que je suis arrivé dernier parce que les juges ont décidé de me donner un point. Alors que j'avais fini au même classement qu'Evan, au 100 en hauteur. Je suis désolé. Je peux te rassurer, un point n'aurait pas fait la différence. Mauvaise point. Tu m'excuses. Non, mais les gars. Non, les gars, lâchez-moi. Troisième position. Il s'est bien battu. Nous sommes fiers de lui. C'est sa vidéo. Il avait un beau maillot. Très beau maillot. Et il a fait une très belle remontada. Nous avons Evan. Si. Il n'applaudit même pas. Je suis passé devant Chess à la fin. C'était facile et tout. Ils ont été bons.
Vas-y, j'ai le sommeil encore. 17 points, 17 points. 17, c'est sympa, wesh. Parce que. C'est parce que j'ai eu un point de plus. Mais non, t'as eu, tu viens d'avoir moins 1. Mais comment c'est possible? Le fond, le truc, j'étais devant toi. Mais les jeux sont corrompus, je suis désolé. Les jeux sont corrompus, non, je suis désolé. Non, non, non. J'avais 1 point d'écart. Ça contredit, ça contredit. Non, non, je suis désolé. J'avais 1 point d'écart. Tu la fermes. J'avais 1 point d'écart. J'avais 1 point d'écart au son hauteur. Après, au son longueur, on a fini égalité ex aequo. Au final, t'as perdu. Mais comment c'est possible? T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, ça c'est la crise de la quarantaine. Je le jure, si ça avait été moi à ta place, tout le monde aurait vu. Mais vu que c'est toi, personne ne peut. Ça c'est la quarantaine. Vas-y, vas-y. Allez. Deuxième place de ce classement. Très compliqué. C'est bien battu. Franchement, c'est très très belle performance. Il a fait un démarrage fort. Après 2 points, 1 point, 0. Il est remonté 5-5-5. Il a gagné les 3 épreuves. Les 3 dernières épreuves. Il les écoute pas du tout. Mais on va dire son nom. Va-t-il l'entendre? C'est Totoche. Avec un total de 22 points. Putain, 22 points. On a tenu tête au titan. Non, il a au titan. Et le grand gagnant, il nous a tous impressionnés. Il a été constant de A à Z. Il s'est battu. Belle révélation aujourd'hui. Nous l'avons. Samsonite. Les léopards. La du puissance Congo. De sauter. Le roi. Et qui est. Loni. Ok, ok. Si allez, là, mais là, mais là, parce que t'as gagné. Wesh. Allez, vas-y, vas-y. Non, non, j'arrive pas à la tête, non, j'arrive pas. Excusez-moi, c'est cool, mais si je peux me permettre, il y a un mauvais compte des points et des vannes. Mais c'est bon. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, je suis désolé. Non, 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 en vrai, c'est vrai. Je m'ai écrit, ça fait 16 points. Ça fait 16 points, je suis désolé. Moi, avec le moins 1, ça fait 16 points et pas 17. Non, je suis désolé. Mais ça change quoi du coup? Mais non, parce que. Non, 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 non. Non, il est là, c'est. Les gars, arrêtez. T'as un bravo. Cadeau pour le gagnant? Bravo monsieur. Bravo. Vous avez aussi donné à remercier. Fais semblant, fais semblant. Et à applaudir les commentateurs. Raska ici présent et Tony Live. Et aussi Anaïs. Incroyable. Qui nous a aidé. Attends, j'arrive à côté de vous. Vas-y, vas-y. Ouais. Anaïs, Anaïs, Anaïs. Les réseaux de Tonio et Raska s'appuient juste ici. Je sais pas où. Allez les follow, allez les suivre, ils font du très bon contenu, les Jackson on s'en fout. Moi allez me suivre sur mes réseaux sociaux. Anaïs, son Instagram est juste là. Yes. Allez voir ce qu'elle fait, c'est super intéressant. Les gars, voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'être venus. Ça m'a fait super plaisir. Allez vous abonner à tout le monde. Et on s'attrape pour une prochaine vidéo. Bisous. Ouais.